Je suis Ramdan du sanctuaire de l'unification. Je rencontre le mouvement de l'unification à Paris en 1972. J'ai étudié le principe divin, l'enseignement central du révérend Sun Myint Moon parmi ses 8 manuels de textes sacrés. Le principe divin enseigne clairement que Dieu existe, explique pourquoi l'humanité ne pourrait pas être sous Dieu à cause de la chute de nos ancêtres dans le jardin. Explique que la chute est un acte sexuel en dehors du principe et explique quels sont les principes que Dieu utilise pour ramener l'homme déchu, l'humanité déchue, au statut originel. Eh bien, le principe divin dans son contenu, c'est un message stimulant, en même temps exigeant. Il enseigne aussi le vrai message de Jésus écrit dans la Bible, non pas comme un message ou un enseignement religieux statique que nous connaissons, mais comme un appel de Dieu à bâtir son royaume sur la terre à tout moment, même dès maintenant. Pour la première fois, en vérité, pour la première fois, mon esprit a commencé à respirer un air pur. C'est un enseignement clair, c'est un enseignement clair et logique que je n'ai trouvé nulle part ailleurs. Je vous encourage à étudier sincèrement, je dis bien sincèrement, le principe divin pour vous-même. Je vous laisse le lien sur les informations contenues dans cette vidéo. Par conséquent, j'ai conclu et accepté que Sun Myint Moon est le retour du Christ. Et maintenant, plus d'un demi-siècle plus tard, je suis reconnaissant d'être ici et reconnaissant au Christ. Il est un guide pour moi. Je ne regrette pas mon choix. Cependant, après la mort du révérend Moon, une chose triste, un coup d'État, a eu lieu contre le successeur et héritier du révérend Sun Myint Moon. Oui, un changement historique. Il a eu un coup d'État contre le successeur du révérend Moon. Quelques semaines plus tard, la mort du révérend Moon, Yunjin Sun Moon, le successeur et héritier du révérend Sun Myint Moon, fut expulsé dans le désert. Il a été dépouillé de toutes les positions laissées par son père et finalement faussement accusé de désobéissance. L'héritier et le successeur, Yunjin Sun Moon, était prêt à renoncer à tout, soit les positions et les avoirs, uniquement pour protéger les écrits et l'héritage de son père, Sun Myint Moon. Selon le sanctuaire de l'unification, avant de le destituer, la fédération de la famille avait essayé avec la méthode de l'archange, ou plutôt, Yunjin Sun Moon se voit offrir des positions et des richesses à condition qu'il soit conforme, à condition qu'il se conforme au changement hérétique des enseignements de base des théologies du révérend Moon que beaucoup considèrent comme une profanation de l'héritage de son père. Le même jour, alors que le père Moon se retrouvait à l'hôpital entre la vie et la mort, Hak Jahan avait déjà en tête de changer les 8 manuels de textes sacrés du révérend Moon.
Le père Moon lui-même, à maintes reprises dans ses discours, nous a dit absolument, absolument de ne pas changer, de ne pas corriger les vues manuelles de textes sacrés, car ce sont des manuels d'éducation pour le salut de l'humanité. Eh bien, Harjahan, ex-épouse du révérend Moon, a modifié ces textes sacrés spécialement pour l'adapter à sa nouvelle théologie, se proclamant sans péché originel, se proclamant Dieu, le Messie et fille unique. Péniblement, Harjahan a nié son unité avec les proclamations, les écritures officielles et le désir du révérend Moon concernant son héritier et son successeur. Le retour du Christ, tel qu'expliqué dans le principe divin, est un homme, pas une femme. Il est un individu, pas un couple. Lorsque le Christ retourne, bien sûr, pour moi, le vrai Père Son Myeon Moon est vraiment le retour du Christ venant sur le fondement de Jésus-Christ et son péché. Alors, lorsque le Christ retourne, il prend ensuite une femme du monde déchu et l'élève pour qu'elle devienne l'épouse. Puis, ils deviennent de vrais parents. Cependant, cette perfection de cette épouse ne se réalise que lorsque cette épouse, dans ce cas c'est Harjahan, accomplit sa part de responsabilité avec une foi absolue, un amour absolu envers le révérend Moon et envers son enseignement. Il n'y a pas de miracle dans le principe de restauration de Dieu. C'est un principe au travail comme un horloge, sans égard, opposition ni au nom. En conclusion, je dirais que derrière l'esprit de Madame Harjahan, il y a des forces perverses qui veulent éliminer les enseignements originaux, les traditions du révérend Moon et avant tout, je dirais que l'objectif essentiel est d'éliminer l'héritier et le successeur du révérend Moon. Eh bien, donc le but de cette vidéo est d'informer les membres de la fédération de la famille et les non-membres de ce que Harjahan soutient. En vérité, elle ne fait que promouvoir elle-même et promouvoir sa tribu Han. Une promotion radicalement opposée à l'enseignement du révérend Moon. Dans l'un de ses derniers discours de 25 minutes, Harjahan, elle ne mentionna même pas une seule fois le nom de son mari, le nom du révérend Moon. Pas même une seule fois au cours de son discours de 25 minutes sur la providence de Dieu centrée sur la Corée devant des milliers de personnes. D'autre part, elle a mentionné le terme « fille, fille unique » 13 fois au cours de ce discours. Ce qui a été la partie la plus importante de l'événement. Comment peut-elle prétendre aimer tellement son mari si elle ne lui donne pas l'honneur de le mentionner au moins une fois dans son discours sur le travail de Dieu centré sur la Corée devant des milliers de personnes? Et aussi, j'ai beaucoup de doutes, un point d'interrogation, comment les membres de la Fédération de la Famille peuvent dire, en suivant
Hagjahan peuvent dire qu'ils suivent aussi les enseignements du révérend Moule. Eh bien, je vous remercie pour votre temps.